Chef de l'État, commandant suprême, garant du bon fonctionnement des institutions, autorité de référence, par sa volonté politique, à viabiliser et à réformer l'enseignement universitaire, secondaire, primaire et technique, qui constitue les piliers du développement durable de la République démocratique du Congo. J'évoque ici les discours d'Alembert sur la vulgarisation scientifique. Pour peu qu'on ait réfléchi sur la liaison et les découvertes entre elles, il est facile de s'apercevoir que les sciences et les arts se prêtent mutuellement des secours et qu'il y a par conséquent une chaîne qui les unit. Mais s'il est souvent difficile de réduire à un petit nombre de règles ou de notions générales, chaque science ou chaque art en particulier, il ne l'est pas moins de renfermer dans un système qui soit un, des branches infiniment variées de la science humaine. Le premier pas que nous ayons à faire dans cette recherche est d'examiner, qu'on nous permette ces termes, la généalogie et la filiation de nos connaissances, les causes qui ont dû les faire naître et les caractères qui les distinguent. En un mot, de remonter jusqu'à l'origine et à la génération de nos idées. Indépendamment des secours que nous tirerons de cet examen pour l'énumération encyclopédique des sciences et des arts, il ne saurait être déplacé à la tête d'un dictionnaire raisonné des connaissances humaines. Ce principe des premiers philosophes a été longtemps regardé comme un axiome par les scolastiques. Pour qu'il lui fît cet honneur, il suffisait qu'il fît ancien et ils auraient défendu avec la même chaleur les formes substantielles et les qualités occultes. À cet effet, vu la nécessité et l'urgence de votre présence, nous soulignons que le président mise sur la qualité, l'accès et la bonne gouvernance en République démocratique du Congo dans tous les secteurs. Nous les félicitons pour les actions entreprises à l'interne et à l'externe pour promouvoir la recherche scientifique, l'innovation et l'invention congolaise. Certes, nous vous encourageons à réintégrer cette vision afin de bien planifier les études sereines, rigoureuses, parce que l'espoir et le progrès de notre pays se reposent sur vos épaules. Que les étudiants qui peuvent contribuer efficacement à la recherche scientifique, l'innovation et l'invention. C'est notre cérémonie d'aujourd'hui est focalisée sur une adhésion massive des étudiants à l'idéologie du combattant jacobin, père des opprimés, serviteur des autres,
qui s'inscrit à la mobilisation des actions du chef de l'État et préserver et consolider les acquis. La philosophie du peuple est d'abord l'état des droits, lutte contre la pauvreté et le projet de société du gouvernement n'est pas un simple slogan à la vision fatigue. Aspect. Nous avions suivi lors de la 79e Assemblée générale de l'ONU les discours du chef de l'État pour avoir éteint tous les tableaux sombres de la situation du pays et le 19e sommet de la francophonie, par sa bravoure d'interpeller la communauté internationale, et je ne rentre pas au fond. Mais il avait soulevé l'objectif du développement durable dont nous devons soutenir scrupuleusement pour les progrès de la République démocratique du Congo. Par contre, nous devons dénoncer les actes du terrorisme subversif et du banditisme qui sévit dans nos provinces. Nous comptons sur la communauté estudiantine de prêcher par un bon exemple pour confondre les ennemis de la République et dire non aux manipulations de certains politiciens machiavéliques. Non à la violence à la place universitaire, non à la délinquance juvénile. Pratiquons la paix. Vous avez tous les atouts possibles et les potentialités de contribuer positivement à l'émergence de ces pays. Reflétons le patriotisme et fustigeons les antivaleurs aux milieux académiques. Cette approche politique, nous réitérons les vœux du chef de l'État dans ses 6 engagements pris lors de son investiture pour la prospérité et le bonheur de tous les Congolais. Enfin, la vision Fati Aspen, qui prône sur l'état des droits et lutte contre la pauvreté, vous accueille chaleureusement au temple de la démocratie. Vous invite au travail, à la recherche du bien-être spirituel et temporel pour l'avancement. La solution durable ne proviendra que de vous, qui êtes l'avenir de demain. Ne perdons pas le temps, relevons les défis maintenant, rayonnons et participons activement à la politique de la vision Fati Aspen, dont la constitution du pays autorise dans son article 25 qui stipule la liberté des réunions pacifiques et sans armes est garantie sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Nous vous acceptons parmi nous un rapport de la demande d'affiliation formulée au secrétariat général. Vous devenez membre au sein de la vision Fati Aspen, parti au sein de l'IDPS. Que le Tout-Puissant vous bénisse et bénisse la maison Fati Aspen. Je vous remercie infiniment. État des droits, État des droits. Maison Fati. État des droits, vivant de la pauvreté, félicitations et félicitations, président de la République, et toi. Camarades, Camarades, Kamba, Supergaku, Maridada, Achidada, Maridada, Achidada. Camarade secrétaire général de la vision Fati, chers membres composition de la vision Fati, chers invités, chers membres des aigles du Congo, nous vous disons ce jour bonjour. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui au sein de la vision Fati. Nous sommes les aigles du Congo, une structure qui héberge toutes les universités confondues de la République démocratique du Congo. Nous sommes les aigles du Congo, nous œuvrons au milieu de la jeunesse de toutes les genres. Nous sommes les aigles du Congo, notre lutte, nous luttons contre la voyoucratie au milieu de la jeunesse, la manipulation des hommes politiques au milieu de la jeunesse. Nous sommes les aigles du Congo. Nous amenons la jeunesse pour bien œuvrer pour le bien-être de notre pays. Et là, nous mettons la jeunesse au centre de tous. Nous sommes là pour pousser la jeunesse congolaise pour se suffire nous-mêmes, comme avait dit notre héros national, prenez-vous en charge.
Nous sommes la jeunesse du Congo, la jeunesse des aigles du Congo, par 55. Notre vision est pour soutenir toutes les actions des chefs de l'État, qui est notre autorité de référence, et soutenir aussi les actions du président national Jacob Meyer, en ces jours que je demande de l'applaudir. Notre présence ici, dans la vision Fatshi, nous sommes convaincus que Makambo Yasika et Zobanda, ensemble, avec la jeunesse évoluée, nous y sommes ici pour mettre toutes les actions du chef de l'État en marche. Yambalo, Batatawana, Bako Regrete. L'erreur que nos aïeux ont commise, c'est aujourd'hui que nous allons les réparer. Nous sommes une jeunesse, on dit toujours, Tolamo qui n'a pas et non Tolamo pas. Mais bisolélo, Tolamo qui n'a pas. Nous n'allons plus accepter tout le bavour qui se passe au milieu de nos vieux qui manipulent la jeunesse pour leur bien et pour leurs intérêts. Nous tous nous savons dans ce pays, la République démocratique du Congo, la jeunesse congolaise est l'image des gens, comme on dit toujours, Pesabangoloko, Sakananabango. Ils vont rien faire. Mais cette fois-ci, ce n'est plus la jeunesse Oyo Sakanaki. Ensemble avec la vision Fatshi, les aigles du Congo, Jacob Meyer et Félix Antoine Tshisekedi, Congo Zoukende Limousso. Mes chers frères et sœurs, c'est ça. Pour ici sous terre, pas à manipuler Bilengue pour l'intérêt dans Bango. Bilengue à l'élo, à Zali Soussou Yalobi. Bilengue à l'élo, à une conscience, à Yamotoye, la vision Fatshi. Pour les alliés visés à chef de l'État, que Bilengue a tellement. Cela veut dire, viser à chef de l'État et continuer à faire la mission de Bakina à Bissot. Bissot, nous sommes ensemble avec la vision Fatshi. Et les guerres ont changé. C'est tout le monde comme avait dit jadis que l'Afrique a une forme de revolver. Où la cachette se trouve au Congo, à Zaïre de l'époque. Mais aujourd'hui, la cachette, c'est vous. Bino a deux familles, bino des cachettes. Est-ce que nous sommes prêts à mourir à la mort? Est-ce que nous sommes prêts à confiner la cachette? Notre cachette est un changement au Congo. Changement de mentalité, changement de Congolais Nyonso. Et c'est que nous tous Nyonso à côté de la vision du chef de l'État. Or, vision du chef de l'État, ils allient Congo et Bonga. Ils allient Congo et Bonga. Ils allient Congo et Bonga. Vision du chef de l'État, il y a quoi la vision? Il y a le président national, il y a vision Fatshi. Il y a quoi la paix? Ils allient vision la vision de l'Aigle. Dans notre monde ici, quand Congo est Bonga. C'est là où nous sommes venus pour s'affiler dans la vision Fatshi. C'est là où nous sommes dit au Bandalelo, manipulation à la jeunesse pour leur bien intérêt à vous. Je suis venu aujourd'hui au nom de toutes les structures des aigles du Congo pour dire merci à la vision Fatshi de votre accueil. Merci au secrétaire général et aux membres de la vision Fatshi. Je vous remercie. Bien content ainsi que toute la délégation d'être venue et de penser à la vision Fatshi. La vision Fatshi est une association sans but lucratif affiliée à la Ligue des jeunes de l'UNEPES, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Cette association que dirige l'honorable Jacob Meyer de Bethele Maboko, la force à
fois encourager les jeunes déterminés qui veulent le changement. L'association Vision Fatih créée, j'étais en train de dire, pour soutenir toutes les actions positives du chef de l'État tendant au bien-être des citoyens congolais, au développement de la République démocratique du Congo, au renforcement de la démocratie, à travers la mobilisation citoyenne autour de valeurs et des idéaux d'intérêt national. Nous avons créé cette association, comme je l'ai dit au départ, pour soutenir indéfectiblement et inébranlablement le commandant suprême, le président de la République, Fatih Benton. Nasengi Mobeka Mabou pour la Fatih Benton. Le président de la République, vous le savez, avant son accession au pouvoir, il disait, nous devons fournir beaucoup d'efforts pour transformer le Congo à un État fort, prospère et uni. Certes, il est en train de réaliser beaucoup d'actions positives. Vous devez savoir, la République démocratique du Congo était dans les oubliettes des années passées. Les régimes anciens ont abandonné cette nation. Les régimes anciens travaillaient en complicité avec les ennemis du Congo. Ces derniers ont profité des stratagèmes pour infiltrer nos institutions, infiltrer la présidence de la République, infiltrer l'armée nationale congolaise, infiltrer la police nationale congolaise, infiltrer presque tous les services spéciaux. Leur politique machiavélique était de pouvoir balkaniser la République démocratique du Congo. Heureusement, le Dieu Tout-Puissant nous a envoyé le sauveur, le libérateur, Fatih Benton. Et récemment, le Dieu Créateur nous a envoyé le libérateur, Fatih Benton, pour pouvoir nous débarrasser de ces processus sanguinaires planifiés par le usurpateur criminel, voyou. Nous allons le citer, mais c'est Kagame avec toute sa bande qui cherchait à tout prix pour balkaniser, semer les tribalismes dans notre pays, semer la haine parmi nous les Congolais. Le peuple congolais veut vivre en paix. Le peuple congolais veut bénéficier de son héritage, de sa richesse, léguée par les ancêtres, ses aïeux, que le bon Dieu nous a donné. Mais on se rend compte, le Congo est toujours envié. La politique du président Fatih, quand il est arrivé au pouvoir, il voulait collaborer paisiblement avec tous les voisins. Il avait cette volonté. Il a contacté presque toutes les autorités de pays voisins pour qu'ensemble nous puissions vivre en paix, comme il a dit. Malheureusement, quand il collaborait, ces derniers, certains, des gens comme de Paul Kagame et les autres, là, avaient des agendas cachés. Et ils cherchaient à tout prix pour balkaniser, pour déstabiliser le Congo, afin que le Congolais ne puisse pas bénéficier de leur richesse. Heureusement, Fatih a dit miette. Moi, je ne peux en aucun cas céder aux intimidations sataniques, diaboliques des autres, de nos ennemis. Le président de la République disponibilise beaucoup de moyens à notre armée pour essayer un peu de démystifier le processus d'infiltration semé exalté par les criminels, l'ennemi. Et notre armée, dans les jours qui viennent, je vous informe, nous allons récupérer toutes les localités occupées illégalement par les criminels. Sur ces nous, jeunes, nous sommes obligés de nous lever comme un seul homme pour soutenir le président de la République, afin de pouvoir barrer systématiquement toutes les voies montées, planifiées contre la République.
Le président de la République, j'étais en train de dire, voulait à ce que nous puissions vivre équitablement, nous puissions vivre en paix, paisiblement. Nous puissions bénéficier de toutes nos richesses que Dieu nous a données, que nos ancêtres nous aient léguées. Et il est en train de multiplier des stratégies à travers le gouvernement actuel pour que cela puisse s'accomplir. Quand Vision Fatih a été créée, nous avons dit nous sommes obligés de mobiliser la jeunesse. Nous sommes obligés de promouvoir toutes les actions que le président Fatih est en train de réaliser sur le terrain. Pour que cette jeunesse puisse s'accaparer, pour que cette jeunesse puisse adhérer véritablement à sa vision, afin que le Congo puisse aller de l'avant. J'ai apprécié l'intervention de Gordon quand il était en dit c'est fini, nous ne pourrons en aucun cas accepter encore que les gens là qui ne voulaient pas l'émergence de la jeunesse, les gens qui ne voulaient pas que le jeune puisse aller de l'avant, ils étaient en train de s'embrayer à travers le Togo, le Sododo, Babakene, ainsi de suite. Mais cette fois-ci, Bissona Fati, Tokokene Lomo, Tokokene Iboso. De répéter, Bissona Fati, Tokokene Iboso. Bissona Fati, Bissona Fati, Jeunesse la Fati, Tokokene Iboso. Jeunesse la Fati, C'est une grande structure qui est installée à travers toute la République. Et nous sommes installés également dans d'autres États, notamment la France, les États-Unis d'Amérique, l'Afrique du Sud, l'Ouganda et le Canada. Ici à Kinshasa, nous avons des représentations à travers toutes les provinces. Nous avons des coordonnateurs provinciaux à partir de Kinshasa et dans toutes les autres provinces. À Kinshasa, nous sommes installés pratiquement dans toutes les 24 communes où nous avons installé et nous continuons toujours à installer les coordonnateurs communaux. À leur tour, ils installent les coordonnateurs cellulaires, ainsi de suite. Et au niveau des districts, nous avons des coordonnateurs fédéraux. Vision Fatih. Dans la politique du président national Jacob Meya, nous avons pris la résolution et conformément à nos statuts de pouvoir élargir encore l'effectif, étendre encore cette association à travers toute la République, là où, dans des coins où on n'était pas encore représenté. Et nous continuons toujours à le faire. Aujourd'hui, nous avons organisé cet échange juste pour accueillir, pour recevoir officiellement nos amis, membres des aigles du Congo qui adhèrent officiellement à l'association Vision Fatih. Voilà pourquoi nous avons organisé cet échange, cette petite cérémonie, juste pour leur souhaiter la bienvenue. Chers combattants, chers disciples de Fatih Beto, les modalités déjà de la Vision Fatih sont très simples. La Vision Fatih a des statuts dûment conformes ainsi que le règlement intérieur. La Vision Fatih a des fiches d'adhésion. La Vision Fatih a des cartes de membres. La Vision Fatih, c'est une structure très bien organisée et qui continue toujours à mettre des stratégies, à planifier des belles et des bonnes stratégies pour accompagner le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi. Sur ce, je profite de ces micros pour inviter solennellement les coordonnateurs ainsi que son staff. Je vous remets officiellement ces statuts. Thank you.
officiellement la fiche d'adhésion pour le remplissage. Effectivement votre adhésion au sein de l'association Vision Fatih. Désormais, chers camarades, vous êtes membre effectif au sein de l'association Vision Fatih. Vous êtes obligé de pouvoir participer à toutes les activités que cette réunion va organiser. Cet ordre nous appartient tous. N'hésitez pas au besoin de venir non seulement organiser des activités, mais aussi participer régulièrement aux activités ou aux actions que Vision Fatih va nous faire organiser ensemble avec Solidaire et Incontournable Jacob et Atiling. Chers membres, chers jeunes, nous sommes obligés de nous lever. S'il vous plaît, il est temps de soutenir notre président de la République, Fatih Bertone. Le corps de vie nous attend. Il nous faut nous lever. Pourquoi? Parce que cette nation nous appartient. Devons prendre nos responsabilités. Derrière le commandant suprême, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, à qui je demande encore pour faire de la même au commandant. Merci. Nous vous remercions d'avoir adhéré officiellement à l'association Vision Fatih. Et toutes ces fiches que vous voyez, que vous allez devoir partager à nos membres qui sont présents pour témoigner leur adhésion officielle au sein de l'association Vision Fatih. Merci beaucoup.